Meghan Markle, ce geste quotidien qu'elle n'a plus le droit de faire. Meghan Markle doit obéir à un protocole très strict depuis son arrivée dans la famille royale. Découvre alors quel geste simple lui est interdit. Depuis que Meghan Markle fait partie de la famille royale, elle doit se soumettre à un protocole bien strict. Elle qui doit accoucher de son premier enfant. Elle a le devoir de se soumettre à tout un tas de règles. Et voici un geste de la vie quotidienne qu'elle n'a plus le droit de faire. MC vous en dit plus. Meghan Markle se fait remonter les bretelles. Depuis son arrivée dans la famille royale, Meghan Markle doit suivre un protocole bien strict. Et visiblement, il lui faut encore un peu de temps pour s'adapter. Il faut dire que le protocole semble extrêmement strict. Aussi, à plusieurs reprises, la duchesse a malencontreusement dérogé aux règles. Aussi, il y a quelques mois, Meghan Markle s'est fait remonter les bretelles. La raison semble étrange. En effet, la duchesse a fermé la portière de sa voiture toute seule. Un geste formellement interdit dans la famille royale. Tous les membres de la famille royale ont interdiction d'ouvrir ou de fermer leurs portières. Mariée au prince Harry, la future maman a le devoir de se plier aux règles. Meghan Markle, des gestes simples qu'elle n'a plus le droit de faire. Alors que cela peut nous paraître complètement dingue. Cela fait pourtant partie des règles. Tout comme porter du vernis noir. Ce qu'elle avait pourtant fait lors d'une cérémonie. Mais si les membres de la famille royale ont pour interdiction d'ouvrir ou de fermer leurs portières. Il y a une raison. Quand les membres de la famille royale se trouvent en voiture, ils doivent faire attention. Ils ne doivent pas attacher leur ceinture de sécurité. Car s'il y a une attaque, ils doivent pouvoir s'échapper. Aussi, d'autres règles font partie du protocole. Comme par exemple ne pas fermer ou ouvrir la porte. Les portières des voitures de la famille royale se verrouillent automatiquement après chaque claquement. Et cela peut poser problème. Meghan Markle doit alors dire adieu à de nombreux gestes automatiques.